God is not a man that is to lie, neither the son of God that is to repent. Has he said and shall he not do it? Has he spoken and shall he not make it good? He is Jehovah El Emeth. You are God of truth. Yes, you are Lord God of truth. Jehovah El Emeth, my only faithful God. Lord, you never fail. My only faithful God. Lord, you never fail. Yeah, 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 yeah. 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 Everybody sing, you are God of truth. Oh, yeah. Yes, you are. Lord God. Lord God of truth. Come on. Jehovah. My only faithful my God, only faithful God, you never fail. God, you never my only faithful my God, only faithful God, you never fail. God, you never fail. You are God, say, you are God of truth. Oh yeah, yes you are. Lord God, Lord God, Jehovah El Emeth, my only faithful God, you never fail. God, you never my only faithful my God, only faithful God, you never fail. God, you never my soul watches. Na me who knows who the rambo. Me down who ding na. I have tried you. And I've realized we are no quarrel for Jehovah El Emeth. My soul watches. Na me who knows who the rambo. I have tried you, and I've realized we are no quarrel for, no quarrel for Jehovah El Emeth, my soul washes. Now may who knows who the rambo, me down day now. I have tried you, oh yeah, and I realize we are no quarrel for Jehovah El Emeth, my soul. So watch him. Name who knows who the Rambo. Me da wo de na. I have tried you. And I've realized we are no quarrel for Jehovah El Emeth. Because he is the Lord. Is he anything too hard for him? He is the Lord. He has said it and surely will do tonight. Hold on to your faith, your confessions of the days of your life, and you will see the hand of the Lord in your life. This evening, he is the Lord. Is he anything too hard for him? He is the Lord. He has said it and surely will do. Hold on to your faith.
of your life, and you will see the hand of the Lord in your life. He can do it. He can do it. Do it better for you. Far more than, far more than you can think that He will ever do. Surely He will do. He can do it. Do it. He has said it, and surely will do. Hold on to your faith, your confessions, all the days of your life, and you will see the hand of the Lord. Can you walk to three people and prophesy to them that, and you will see? Come on, prophesy to somebody the hand of the Lord in your life, apostle, and you will see. You will see the hand of the Lord in your life. I said, prophesy to somebody, and you will see the hand of the Lord in your life. And you will see, and you will see. I am Dagabaha. Is somebody prophesying? When the Lord is done with you, he's singing, Minamia Yahweh. Minamia Yahweh. Minamia Yahweh. Minamia Yahweh. It's human, no, I am here. Yarisano ayewie and wonyam no ayewie menami ayewie menami ayewie da ka sebe fwe we ni penne so. Come on, lift it up. Yeah, yeah, araba saka kaya hey saka kaya hey ono kwa fwete. He's a faithful God. Mitri wasabio in this breakthrough conference. Nani preno sona maswatio sikimo. Can you take a prophetic step? Can you take a prophetic step? Preko prena minamia ka. Nani preno sona maswatio. Come on, take it. Sikimo. You are stepping into your miracle. You are stepping into your breakthrough. Come on. Ano kofete. Ano. Help me say, you are prophesying your breakthrough to me. Hey, me namia ye 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 ye. I can't celebrate when it panic so. Can you see a miracle? Can you see a miracle? The Lord said, Jeremiah, what do you see? I can see a miracle. Say, oh no, prophet, meet him once and you. Yeah, I'm not
fuerte. Give the Lord a mighty clap offering. Donne au Seigneur une puissante offrande d'acclamation. Give it to Jesus. Fais-le pour Jésus. Give the Lord a better clap offering. Donne au Seigneur une meilleure offrande d'acclamation. Hallelujah. Amen. Put your hands together for Reverend Ivan David. Veuillez acclamer pour le révérend Ivan David. The temple choir. Et temple choir. And all those that led the praise and worship tonight. Et tous ceux qui ont conduit la louange et l'adoration ce soir. The intercession. L'intercession. The MC and every part of the service. Les MC et toutes les parties du culte. Put your hands together for them. Veuillez acclamer pour eux. Put your hands together for them. Veuillez acclamer pour eux. Amen. Amen. I want to acknowledge the presence of Bishop Isaac Buedo. Je veux reconnaître la présence Cape Coast. De l'évêque Buedo de Cape Coast. We also have Bishop Mike Corte in the house. Nous avons également l'évêque Mike Corte dans la maison. We have our administrative bishop, Bishop Raymond, also in the house. Nous avons également notre évêque administrateur, l'évêque Raymond. Our auxiliary bishop, Bishop Selassie, is also in the house. Notre évêque auxiliaire, l'évêque Selassie, est également dans la place. We have a number of our apostles and senior pastors and leaders in the church. Nous avons all un bon present. Nombre. Put your hands together for them. Nous avons un bon nombre d'apôtres, de ministres, seigneurs qui sont là ce soir. And the co-founder and the wife of the archbishop is also in the house. Et la co-fondatrice, la femme de l'archevêque, est également dans la maison. Hallelujah. Amen. 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 We give praise to God. Nous donnons la louange au Seigneur. In the next few minutes, we are getting deep into the Word of God. Dans les prochaines minutes, nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Tonight is the first night. Ce soir est la première soirée. And your life will never be the same. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, if you believe that, give the Lord a mighty clap offering. Si tu le crois, donne au Seigneur une puissante offrande d'acclamation. I normally don't give my first night out. Normalement, je n'ai pas l'habitude de donner ma première soirée. Unless I am sure the person doing the first night can carry the service. À un autre orateur, à moins que je sois sûr que la première personne est capable de le faire. Because when you start a car or even an aeroplane, the takeoff, you need a tough takeoff. Parce que lorsque vous démarrez une voiture ou un avion, vous avez besoin d'un bon démarrage. So tonight, if I'm giving the first night to somebody, it means that I know that we can take off very well. Alors si je donne ma première soirée à quelqu'un, c'est que je sais qu'il peut très bien démarrer. And the person going to bring us the word of God. Et la personne qui nous apporte la parole de Dieu. Is a native of New York. Il est natif de New York. And had an encounter with God in 1987. Et a eu une rencontre avec Dieu en 1987. When he surrendered his life to Christ. Lorsqu'il a donné sa vie à Christ. And then in 1983 he became the pastor of a church. Et en 1998 il est devenu pasteur d'une église. And 93. The church has grown. Et l'église s'est élargie. Till in 2007 it became Fresh Anointing House of Worship. Donc jusqu'en 2007. He has led that church for 32 years. Il a conduit cette église pour 32 ans. Before passing the pastoral mantle to his youngest son, afin de passer le manteau pastoral à son plus jeune fils, Christopher. But he continues to serve as the bishop of the church. Et il continue de servir en tant qu'évêque de l'église. He holds an earned doctorate in theology from Christian Life School of Theology. Il est titulaire d'un doctorat en théologie. And as bishop
of Fresh Anointing House of Worship, he oversees several other branches or churches. Et comme évêque de l'église dont il est à la tête de la dénomination, il supervise plusieurs autres églises. As well as a network of churches under the Fresh Oil Fellowship. Et également un réseau d'autres églises qui sont sous sa dénomination. He is an author of 23 books. Il est auteur de 33 livres. Traveled to 28 countries. De 83 livres, il a voyagé dans plusieurs pays. Spreading the word of God. Pour partager la parole de Dieu. Not only is he a passionate preacher, ce n'est pas seulement un prédicateur passionné, but he is also a licensed pilot. Mais il a également une licence en pilotage. He is married to a Ghanaian wife, Oluwakemi Sesi. Son épouse est ghanéenne. For the past 33 years. Et ils sont mariés pour 32 ans. And 33 ans. And together they have 4 children. Et ensemble, ils ont eu 4 enfants. And 7 grandchildren. Et 7 petits-enfants. Of late, he's been lecturing in other universities across America. Help me welcome my dear friend, Bishop Kyle Sesi. Aidez-moi à recevoir. Put your hands together mon ami l'évêque Kyle Sesi. Veuillez acclamer pour lui. Give the Lord a hand clap of praise tonight. Donnez au Seigneur des acclamations en guise de louange ce soir. Give the Lord a better hand clap than that. Donnez au Seigneur des meilleures acclamations. I believe something good is about to happen for you tonight. Je suis sûr que quelque chose de bon est sur le point de se produire dans ta vie ce soir. I believe your life is about to be transformed tonight. Je suis sûr que ta vie est sur le point d'être transformée ce soir. I believe that you'll never be the same again after this night. Je suis sûr que tu ne seras plus la même personne après cette soirée. I believe something will happen tonight to affect your generations for the 3, 4, 5, 6 generations down the line. Je suis sûr que quelque chose se passera dans ta vie pour que tu apportes affecte ta génération. You know why? Because après. The Spirit of the Lord is in this house. Parce que l'Esprit de Dieu est dans cette maison. My profound respects to Archbishop Ajinasari. Mon total respect à l'archevêque Charles Ajinasari. I love him so much. I respect him. He's a great man of God. Je l'aime tellement, je le respecte. C'est un grand homme de Dieu. Come on, you can do better than that. Alors, vous pouvez mieux faire que cela. I honor his wife, Dr. Vivian, and all the leaders of this church. Je honore sa femme, le Dr. Vivian, et tous les membres de cette église. I have a question for you. J'ai une question pour vous. Why did you come tonight? Pourquoi êtes-vous venu ce soir? Why? Pourquoi? What are you looking for? Que cherches-tu? What are you believing for? En quoi crois-tu? You say, God, whatever you want to do, it's okay with me. Tu dis, Seigneur, peu importe ce que tu feras, c'est bon pour moi. I say, that's not good enough. Et je dis, ce n'est pas assez. What do you want him to do for you tonight? Que veux-tu qu'il fasse pour toi ce soir? Why did you come here tonight? Pourquoi es-tu venu ici ce soir? What is the breakthrough you are looking for tonight? Quelle est la percée que tu recherches ce soir? In fact, ask the person next to you, say, what is the breakthrough you are looking for tonight? Demande à la personne à ton côté, qu'est-ce que tu cherches ce soir? Quelle est la percée que tu cherches? What did they say? Did they tell you? Quelle est la réponse qu'il t'a donné? Because they were asking you the same question. Parce qu'ils te poseront la même question. But there are a lot of people that come to a night like this. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent à des soirées comme celle-ci. And they have expectation. Ils ont des attentes. But it is general expectation. It's not specific. Il y a ces attentes sont générales mais pas spécifiques. But I want you to ask God for something tonight that's specific. Mais je veux que tu demandes à Dieu ce soir quelque chose de spécifique. That when he does it, you'll know that you know that you know that you know it was a hand of God that came upon you tonight. Et quand tu le feras, tu sauras que tu sauras que tu sauras que tu sauras que la main de Dieu est descendue sur toi ce soir. Is there anything too hard for God? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop compliqué pour l'Éternel? Well, you are looking at a man standing up here, but I stand under a name that is above every other name. Comme vous voyez, un homme se tient ici, mais il se tient sous le nom qui est au-dessus de tout nom. I stand connected to the King of Kings.
Kings and the Lord of Lords. Je me tiens connecté au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. And it's him that drew you here tonight. C'est celui que tu He's the one that brought you to this place tonight. C'est lui qui t'a amené à cet endroit ce soir. And he has something for you. Et il a quelque chose pour toi. But I think he wants to hear from you. Et je crois qu'il veut t'écouter également. I want you to lift your voice right now and talk to him. Je veux que tu élèves ta voix maintenant et commences à parler. And I want you to ask him to do something for you tonight. Et lui demander de faire quelque chose pour toi ce soir. I want you to ask him to pour out something specific tonight. Je veux que tu demandes de déverser quelque chose de spécifique. I want you to ask him to do something big tonight. De faire quelque chose de grand ce soir. I want you to ask him to do something monumental tonight. De faire quelque chose monumental ce soir. Talk to God. Parle à Dieu. Talk to God. Parle à Dieu. Talk to God. Parle à Dieu. I bind the spirit of fear. Je lis l'esprit de peur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I bind the spirit of disappointment. Je lis l'esprit de déception. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. There's somebody who's thinking. Il y a quelqu'un ici qui pense. And who's feeling. Et qui sent. I believed God for this before. J'ai cru en Dieu pour cela auparavant. I prayed for this before. J'ai prié pour cela auparavant. And you have been disappointed. Et j'ai été déçu. Tonight you will not be disappointed. Ce soir tu ne seras pas déçu. For God will meet you at the point of your need. Mais Dieu te rencontrera là où besoin s'est fait ressentir dans ta vie. What do you want him to do for you tonight? Que veux-tu qu'il fasse pour toi ce soir? Nothing is too hard for my God. Il n'y a rien de trop extraordinaire pour le Seigneur. Ask him. Ask him. Demande-lui. Ask him. Demande-lui. Pray to him. Prie à Dieu. Talk to him. Parle-lui. Cry out to him. Crie au Seigneur. Touch the hem of his garment. Touche le pan de son vêtement. Meet him. Demande-lui. And he will meet you. Et il sera avec toi. Cry aloud. Crie. Spare not. Et demande. Lift up your voice like a trumpet in Zion. Élève ta voix comme la trompette de Sion. Let him know what you want him to do for you tonight. Fais-lui savoir ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce soir. Talk to God. Parle à Dieu. Talk to God. Parle à Dieu. I feel some of you touching him. Je sens que certains d'entre vous le touchent. I feel some of you touching him. Certains sont en train de le toucher. I feel some of you reaching to him. Je sens que certains sont en train de l'atteindre. Talk to God. Parle à Dieu. Talk to God. Parle à Dieu. Yes, he can do that. Oui, il peut le faire. And yes, he can do that. Et oui, il peut le faire. Talk to God. Parle à Dieu. I don't hear you. Je ne t'écoute pas. I don't hear you. Je ne t'entends pas. Those that seek him shall find him. Ceux qui le cherchent le trouveront. Somebody tonight is being healed of arthritis. Ce soir, quelqu'un est guéri de l'arthrose. You've had arthritis in your body. Keep singing. Tu as eu l'arthrose. If that's you, I want to see you down front quickly. Je veux te voir ici devant le Seigneur. There has been arthritis in your body. Tu as eu l'arthrose. It's been affecting you. Cela t'a affecté. And you want to be healed. I want to see you down front. Jusque là, tu veux être guéri. Je veux te voir avancer. I want to see you down front. Je veux te voir avancer. Arthritis, come and be healed. Tu as été frappé d'arthrose. Je veux te voir avancer. It comes in your body like pain. Tu sens dans ton corps comme God douleur. Wants to touch you and heal you tonight. Le Seigneur veut te toucher et te guérir in the ce name soir. Of Jesus. Au nom de Jésus. There's somebody that has had migraine headaches. Il y a quelqu'un ici qui souffre de migraines. It comes on the right side of your head. Ça vient au côté droit de ta tête. God wants to heal you tonight. Dieu veut te guérir ce soir. I want to see you down front. Je veux te voir ici devant. I want to see you down front. Je veux te voir ici devant. There is somebody that's been terrified at night. Y a une personne ici qui est terrifiée les nuits. The spirit of terror comes on you at night. L'esprit de terreur vient sur toi les soirs, les nuits. At night when you are sleeping. La nuit quand tu dors. Around 3 o'clock in the morning, aux alentours de 3 heures du matin, a spirit of terror will come upon you. Un esprit de terreur descend sur toi. You will be so afraid you wake up panicking. Tu es tellement effrayé, tu
Tu te réveilles dans la panique. I know you are here tonight. Je sais que tu es là ce soir. And if you are here before I preach, I want to pray for you. Et si tu es là avant que je ne prêche, je veux prier pour toi. Around 2-3 o'clock in the morning, you wake up, you're panicking. Aux alentours de 2h-3h du matin, tu te réveilles effrayé. A spirit of terror comes upon you. Un esprit d'effrayeur descend sur toi. God will break that off of you tonight. Dieu va briser cela ce soir. I want to pray for you tonight. Je veux prier pour toi ce soir. If you are here, come down. Si tu es là, descends. There's somebody that has arthritis. Il y a une personne ici qui a été atteinte d'arthrose. That is pain in your body, in your joints. Ce sont des douleurs dans ton corps, dans tes. Your joints are always paining you. À tes articulations, ton corps te fait If you mal. Are here tonight, this is your night. Si tu es là ce soir, c'est ta this soirée. This is your night. C'est ta soirée. Come down front. I want to pray for you. Viens ici devant. Je vais prier pour toi. There's somebody here. You have a lump in your throat, a knot in your throat. Il y a une personne ici. Tu as une. Every time you eat and swallow, it is painful on your body. Tonight is your night. God is going to remove that tonight. If that is you, come down front. I want to pray for you. Come down front. I want to pray for you. Say, do something new in my life. Father, in the name of Jesus, do something new. Sing it. Do something new. In my life, something new. In my life, something new. In my life, oh Lord, do something new. Do something new. In my life, something new. In my life, something new. Father, in Jesus' name. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new. Come on now, Jesus. I cannot do without you. I cannot do. Without you, I cannot do without you. Oh Lord, I cannot do. Bend down, get up. Is there pain? Est-ce que tu ressens une douleur? Was there pain before you came? Est-ce qu'il y avait une douleur avant que tu ne viennes? And there's no pain now. Il n'y a plus de douleur. Hallelujah. Let me ask again. Did you have pain before you came? Avais-tu des douleurs avant de venir? Yes, I was feeling the pain before I came. And where's the pain now? Et où se trouve la douleur? I'm okay now. And the pain is gone now. Et la douleur. Somebody give Jesus a hand of praise for touching Seigneur, tonight. Donne, que quelqu'un donne au Seigneur une offrande d'acclamation. Father, in Jesus' name, we thank you for your touch. Père, nous te remercions pour ta touche. Something new in her life. In Jesus' name. C'est quelque chose de nouveau dans sa vie au nom de Jésus. Joint pain, where? Stretch out your arm now. Father, receive healing. Reçois la guérison by the blood of Jesus. Au nom de Jésus. Check yourself now. Let me know what happened. Par le sang de Jésus. Examine-toi. We're going to touch this young lady right now. She's dealing with pain in her body. Tu vas toucher cette fille maintenant qui a des douleurs dans son corps. From sickle cell, how many of you know God can give her new cells? De la drépanocytose. Qui in the name of Jesus. Le Seigneur peut lui donner des Father, nouvelles cellules. Father, we invoke the name of Jesus over your daughter. Père, nous invoquons le nom de Jésus sur ta fille. And we decree a blood transfusion. Et nous déclarons une transfusion sanguine. And declare that doctors will declare her free of sickle cell in Jesus' name. We decree and declare, and the church said, Amen. Nous déclarons que les docteurs Amen. Vont déclarer qu'elle est guérie de la drépanocytose au nom de Jésus. In my life. Left side. His right ear was totally deaf. Son oreille gauche, droite and now était his sourd. Right ear is open. You can hear from your right ear. Maintenant, son oreille gauche your ear is now open.
Ton oreille est maintenant ouverte. Close your left ear again. Ferme ton oreille droite. Hello. Hi. Hi. How are you? How are you? I love you. Hello. Give God a hand of praise today. I said, give the Lord a hand of praise today. I said, give the Lord a better clap offering than that today. Bless you, son. It will not come back again. Et tu ne reviendras plus malade. Father, in Jesus' name, we touch your daughter. Père, au nom de Jésus, Jesus' name, be healed. Au nom de Jésus, sois guéri. Father, in Jesus' name, we decree an overhaul. Do something new in her life. Père, au nom de Jésus, fais quelque chose de nouveau we dans drive sa vie. Pain out of her life in the name of Jesus. Je déclare que cette douleur est hors de ta vie au nom de Jésus. And in your powerful name, we decree she is healed. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es guéri. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Reviens. Come back. She had pain in her right side when she walked. So how is it now? J'avais des douleurs au côté. And there's no pain. Et il n'y a plus de douleur. Plus de douleur. Are you sure there's no pain? Es-tu sûr qu'il n'y a plus de douleur? Try it again. Walk again. Essaye encore de marcher. Come back. Reviens. And there's no pain. Et il n'y a plus de douleur. There's no pain. Il n'y a plus de douleur. Who did that for you? Qui a fait cela pour toi? You don't know who did that for you. Tu ne sais pas qui a fait ça pour toi. Let me tell you who did that for you. Jesus did that for you. Jésus a fait ça give pour toi. Give him a hand of praise. Donne-lui une offrande d'acclamation. Donne-lui une offrande d'acclamation. You couldn't do like this. Tu ne pouvais pas le faire avant. It's gone. C'est look parti. At her face. Look at her face. Regardez son visage. She can't believe it. Elle ne peut y croire. She can't believe it. Elle est émerveillée. She couldn't move her hand like this. Oh, le Seigneur vient de la guérir. Look at her tears. Regardez, elle en larmes. Look at her tears. Elle en larmes. Look at her praising Jesus. Elle loue le Seigneur avec des acclamations. She can't believe it. Elle ne peut y croire. But you better believe it. Elle ne peut le croire. Because our God does amazing things. Le Seigneur fait des choses merveilleuses. Ah. Oh, oh. She can't believe it. Give Jesus a better praise than that. Donne au Seigneur une meilleure louange. She is so excited. Elle est si excitée. Because the Lord has touched her. À cause de la touche du Seigneur. Hallelujah. Amen. She is crying. Elle pleure. Who did that? Qui a fait cela? Who did that? Qui a fait cela? Who did that for you? Qui a fait cela pour toi? She can't even speak. Elle ne peut même pas parler, elle est sans mots. I said, who did that for you? Qui a fait cela pour toi? Jesus did that for you. Jésus a fait cela give pour Jesus toi. A hand of praise. Donne au Seigneur une offrande d'acclamation. How long has your arm been hurting? Ask her for me, how long has it been hurting? Pour combien de temps as-tu expérimenté cette douleur? For a number of weeks. And now, pour plusieurs where's the semaines. Pain? Ask her, where's the pain? Maintenant, où est la douleur? She said it's no more. She's surprised. Elle dit que la give n'est Jesus plus a big hand of praise. Donne au Seigneur une puissante offrande d'acclamation. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, something new. Do something new in my life. Something new. Something new in my life. Oh, sing it one more time. Yesterday, chante-le une fois de plus. Something new in my life. Something new. Something new in my life. Oh, something new in my life. Oh, something new. Do something new. Do something new.
Give the Lord another clap offering tonight. Donne au Seigneur une autre offrande d'acclamation ce soir. God is just getting started. Le Seigneur vient juste de commencer. You may take your seats. Vous pouvez vous asseoir. Thank you so much, worship team. Merci. I thank God for you. L'équipe d'adoration, je remercie le Don't Seigneur we pour have vous. The best choir in the world at Perez Chapel? Nous n'avons-nous pas la meilleure chorale au monde à Perez Chapel? Ils sont merveilleux. Yeah. They always look wonderful. Ils sont toujours merveilleux. Let's look into the Word of God for a few minutes. Allons-y dans la parole de Dieu pour quelques Father, minutes. Father, we ask that you will speak to us tonight. Père, je demande que tu nous parles ce soir. We ask that you will stir our faith. Que tu vivifies notre foi. We ask that you take us to another level in you. Que tu nous amènes à un autre niveau avec toi. We decree that from tonight we will not be the same again. Nous décrétons qu'à partir de ce soir nous ne serons plus jamais les mêmes. We love you, Lord. Nous t'aimons, Seigneur. Holy Spirit, over to you, have your way. Saint-Esprit, que ta volonté soit faite. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ephesians chapter 3 verse 20 through 21. Éphésiens 3 20 à 21. Ephesians chapter 3 verse 20 to 21. Éphésiens 3 20 à 21. Now to him par celui qui peut faire, who is able to do exceedingly qui peut faire, abundantly par la puissance qui agit above en nous, all we can ask or think infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser, according to the power that works in us selon la puissance qui œuvre en nous, to him be glory à lui la gloire in the church by Christ Jesus, à l'église en Jésus-Christ, throughout all ages, en tous les âges, world without end, des siècles et des siècles, and the church said, et l'église dit amen. Say it again. Dites-le encore. Amen. Amen. Tonight, I want to talk to you about a breakthrough of epic proportions. Je vais vous parler ce soir d'une percée avec une proportion épique. A breakthrough of epic proportions. Percée d'une proportion épique. The word epic is a very interesting word. Le mot épique est un mot important. In its origin, it began as a literary concept. Son origine vient d'un concept littéraire. It began to describe certain types of poem and oratory. Ça commence à décrire un certain type de poème. Usually when someone would tell folk tales or historical tales about some grand hero, they would call it epic. Souvent, lorsque les gens font des métaphores sur des grands héros ou des histoires sur des grands héros imaginaires du passé, on appelle cela épique. And the word in its etymology morphed into the place where it began to mean something different. Et son étymologie vient de l'endroit où ça commence à signifier quelque chose de différent. The word epic means something grand. Le mot épique signifie quelque chose de grand. Something impressive. Quelque chose d'impressif. Something extraordinary. Quelque chose d'extraordinaire. Something majestic. Quelque chose de majestueux. Something monumental. Quelque chose de monumental. And the Spirit of the Lord. Et l'Esprit du Seigneur. Sent a message to you tonight in Accra, Ghana, in the Perez Dome. T'envoie un message ce soir à Accra, au Ghana, au Perez Dome. And he said, I'm going to give you a breakthrough of epic proportions. J'ai dit, je vais te donner une percée avec une proportion épique. You see, breakthrough comes in many sizes. Voyez-vous, la percée vient de différentes tailles. If you don't have any money, si tu n'as point d'argent, you don't even have one kubo, one penny, one small cent. Tu n'as même pas un seul centime. And you walk down the street. Et tu marches, tu vas dans la and rue. And you find five CDs on the ground. Et tu trouves cinq Ghana à terre. That's a breakthrough. C'est une percée. Is it not a breakthrough? N'est-ce pas une percée? You had zero. Tu as zéro. And you found five. Et tu as trouvé cinq. That's a breakthrough. C'est une percée. But it's not a breakthrough of epic proportions. Mais ce n'est pas une percée avec une proportion épique. Sometimes breakthrough comes. Souvent la percée vient. And the breakthrough that comes. Et la percée qui vient. Only takes you part of the way that you need to be. Vous amène à une partie du chemin que vous devez faire pour atteindre là où vous devez être. It doesn't put you all the way in a different dimension. Ça ne vous met pas directement dans une autre dimension. You go from step zero to step one. Tu vas du pas zéro au pas un. That's breakthrough. C'est une percée. I thank God for breakthrough. Je rends grâce à Dieu pour la percée. But that's not a breakthrough of epic proportions. Mais ce n'est pas une percée avec une proportion épique. A breakthrough of epic proportions. Une percée avec une proportion épique. Is a breakthrough like Elijah experienced. C'est le genre de percée que Élie a expérimenté. After he called down fire upon Jezebel. Après avoir invoqué le feu sur Jézabel. And he told Ahab. Et il a dit à Ahab. Get thee up. Après toi, eat and drink.
mange et bois. I hear the sound of the abundance of rain. Car je sens, j'écoute la voix d'une pluie abondante. And he said, Ahab, get in your chariot. Et il a dit, Achab, prends ton chariot. And go to Jezreel. Et va à Jezreel. And Elijah stayed on the mountain to pray. Et Élie est resté à la montagne afin de prier. And when he finished praying, et lorsqu'il a terminé de prier, he girded up the loins of his skirt. Il a ouvert le banc de son vêtement. That means he will take it and fasten it up so he can run. Ça veut dire qu'il a pris ses lances et genoux afin de courir plus vite. I'm here to tell you, you better start fastening some things up because you're about to run. Je suis en train de te dire que tu dois élever quelque chose parce que tu es sur le point de courir. You can't live life the same way you've lived life up until this point. Tu ne peux pas continuer de vivre comme tu as vécu jusqu'à ce point. You can't dress the same way you used to dress up until this point. Tu ne peux pas continuer de te vêtir de la façon tu t'es vêtu jusqu'à ce point. You have to gird yourself up because you're about to run. Tu dois t'apprêter parce que tu es sur le point de courir. And my Bible says that Elijah girded up his loins. Et ma Bible déclare que Élie a ceint son vêtement. And began to run to Jezreel. Et a commencé à courir à Jezreel. And he outran the chariots of Ahab. Et il a dépassé les chariots d'Achab. That is a breakthrough of epic proportion. Ça, c'est une percée avec une proportion épique. Because we always think that we have to go from one step. Parce qu'on pense toujours qu'on doit aller d'un pas, to two step, à deux pas, to three step, à trois pas, to four step, jusqu'au quatrième pas. But no, we don't always have to do that in God. Mais non, on n'a pas toujours besoin de le faire avec Dieu. Because now unto him, parce que maintenant à celui who is able, qui est capable, to do exceeding, de faire au-delà, abundantly, de ceux, above all who can ask or think, que tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, according to the power that works in us, selon la puissance qui œuvre en nous. In God, en Dieu, it's not from one step, ce n'est pas juste un pas, to two step, ou deux pas, it's not from zero CDs, ce n'est pas de zéro to CDs, 100 CDs, à 100 Ghana CDs, to 1,000 CDs, à 1,000 CDs, to 10,000 CDs, ou à 10,000 CDs. It doesn't have to be like that with God. Ça ne doit pas toujours être comme with cela God, avec Dieu. You can go from zero CDs, tu peux aller de zéro to CDs, 10 million CDs, à 10 millions de CDs, overnight. En une nuit. Did I say 10 million CDs? Est-ce que j'ai dit 10 millions de CDs? I'm sorry. Je suis désolé. I meant 10 billion CDs. Je voulais dire 10 milliards de CDs. Because the Bible says, parce que la Bible déclare, my Bible says, ma Bible déclare, they that wait upon the Lord, que ceux qui sont tendres à l'Éternel, shall renew their strength, renouvellent leur force, they shall mount up, ils prennent leur envol, with wings, comme des ailes, like eagles, comme des ailes. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. You have to understand what Isaiah had in mind when he read that passage. Because Isaiah understood there was this wicked king named Sennacherib. Somebody say Sennacherib. I said, say Sennacherib. You can't hear my English. Hold on. Say Sennacherib. Aha. He was a wicked king. Go ahead. C'était un roi méchant. And what Sennacherib did was he used to breed these war eagles. Et ce qu'il avait l'habitude de faire, c'est d'amener ses aigles. There were these Himalayan eagles that were 7 to 9 feet long. Il y avait des aigles immenses. And he would raise them. Il les élevait. And he would breed them. Il les nourrissait. And he would teach them to be war eagles. Il les entraînait afin qu'ils deviennent des aigles de guerre. And what he would teach them to do is when the soldiers would run on the battlefield. Et ce qu'il les apprenait à faire, c'est que lorsque les soldats allaient sur le champ de bataille, he would teach the eagles to come right above their head. Il enseignait aux aigles de venir juste planer au-dessus de leur tête. And the soldiers would have a strap on their arm. Et les soldats avaient des trappes dans leurs mains, leurs poignets. And the eagles would have a strap tied to their legs. Et les aigles avaient également un attaché à leurs pattes. Two strong men to come up on stage and meet me right now. Une de leurs pattes. Je veux que deux hommes forts viennent maintenant. And I mean strong. I want two strong men to come up on stage with me right now. Je veux que deux hommes forts viennent ce soir. Somebody has been working out in the gym. Une personne qui s'exerce à la gym. Somebody has been eating kenke. Une personne and, Gary. Une personne qui mange beaucoup de kenke et de Gary. Oh, there's no strong men in Accra, Ghana. Il n'y a pas d'hommes forts à Accra, au Ghana. Hey. So Sennacherib would train these eagles to fly down above their head. The soldiers would be on the battlefield running at the enemy. Les soldats étaient sur le champ de bataille courant après l'ennemi. The enemy was over here.
Les ennemis étaient par ici. The soldiers were running at the enemy. Et les soldats couraient vers les ennemis. And the eagles would come right above their head. Et les aigles venaient survoler au-dessus de leur tête. They had a rope on their legs. Ils avaient quelque chose attaché à leur pattes. And the soldiers had a rope on their wrists. Et également les soldats avaient un fil à leur poignet. And when the eagles would come right above the head of the soldiers, alors lorsque les aigles venaient au-dessus des têtes des soldats, the soldiers would move their hand like this. Les soldats bougeaient, balançaient leurs mains comme cela. And wrap their hand around the rope that's on the eagle. Et entouraient leurs mains autour du fil qui était sur l'aigle. And they would tie themselves to the eagle. Et ils s'attachaient à l'aigle. And as soon as the eagle knows they were tied, et dès que les aigles savaient qu'ils étaient attachés, the eagle would start flapping his wings. Et ils commençaient à battre leurs ailes. And the eagle could not take off. Et les aigles ne pouvaient prendre leur envol. Because the soldier was too heavy. Parce que les soldats étaient trop lourds. But what would happen? Et ce qui se passait, is when the soldier was tied to the eagle. C'était que lorsque le soldat était attaché à l'aigle. On the battlefield, sur le champ de bataille, they can only take one step. Ils ne pouvaient que faire un pas. When they go, they can only take one step. Lorsqu'ils allaient, ils pouvaient juste prendre un but pas. But when they wait upon the Lord, mais lorsqu'ils s'attendaient à l'Éternel, that word wait means to wrap yourself around the Lord. C'est que ce mot veut dire s'attacher à l'Éternel. To tie yourself around the Lord. S'attacher à l'Éternel. When they would wait upon the Lord, lorsqu'ils s'attendaient à l'Éternel, when the soldiers would tie themselves to the eagle, lorsque les soldats s'attachaient aux aigles, before they tied to the eagle, they could only take one step. Avant de s'attacher aux aigles, ils ne pouvaient que faire un pas. But whenever the eagle would tie himself to the soldier, mais peu importe quand les instead of taking one step, au lieu de faire un pas, when they would lift up their leg, lorsqu'ils élevaient leurs pas, when they were tied to the eagle, lorsqu'ils étaient attachés aux aigles, instead of one step, au lieu d'un pas, one step would go like this. Ils allaient comme cela, un pas ressemblait à cela. Down. Refaites-moi descendre. One step instead of one, it will go all the way over here. Alors d'un pas, ils venaient directement ici. Because they would tie themselves to the Lord. Parce qu'ils étaient attachés à l'Éternel. And everybody thinks the way you go somewhere in God, you go step by step. Si quelqu'un ici pense que ça va l'Éternel, c'est aller de pas en pas. Mais pas en Dieu. You don't go step by step in tu God. Tu ne vas pas de pas en pas when avec you Dieu. Tie yourself around God. Lorsque tu t'attaches à Dieu. When you tie yourself around God. Lorsque tu t'attaches à Dieu. One step. Un pas. Become 20 steps. Deviens 20 pas. One step. Un pas. Become 30 steps. Deviens 30 pas. One step. Un pas. Become 40 steps. Deviens 40 pas. One step. Un pas. Become 50 steps. Deviens 50 pas. One step. Un pas. Become 60 steps. Deviens 60 pas. Because they, parce que ceux that wait upon the Lord, qui s'attendent à l'Éternel, shall renew their strength. Renouvellent leur force. I don't know who you are tonight. Je ne sais pas qui tu es ce soir. But God said you are in for a breakthrough of epic proportions. Mais Dieu dit que tu es là pour une percée avec epic proportions. Now look at this guy. Regardez cet homme. Now you know I'm a man of faith. I let him carry me. Oh. Vous savez que je suis un homme de foi. Je l'ai parce que a breakthrough of epic proportions. Une percée avec une proportion épique. Are you ready tonight for what God's going to do? Es-tu prêt ce soir pour ce que Dieu est sur le point de faire? A breakthrough of epic proportions. Une percée avec une proportion épique. Sometimes you pray and believe God. Souvent tu pries et tu crois en Dieu. And you're a single lady. Et tu es une femme célibataire. And you want to get married. Et tu veux te marier. And a young man starts noticing you. Et un jeune homme commence à te connaître. He begins to give you attention. Il commence à te donner son attention. But at night he goes to the bar. Mais un soir il va au bar. He smokes Indian hemp. Et il fume de la du champ. He uses profanity. He curses. He uses profanity. Il utilise des paroles profanes. And he doesn't treat his parents right. Et il ne traite pas bien ses parents. And here you are. Et là tu es. Praying. Priant. Say, eh. I just believe God to get him saved. Que je crois juste que Dieu va le sauver. God didn't call you to be an evangelist to date. Dieu t'a pas appelé afin que tu sois une évangéliste. You've been praying that God will bring you a man of God. Tu as prié que Dieu t'amène un homme de Dieu. You may call that a breakthrough. Tu peux appeler cela une percée. But that's not a breakthrough of epic proportions. Mais ce n'est pas une percée avec une proportion épique. The breakthrough of epic proportion. La percée d'une proportion épique. Is God's going to bring you a man who's 5'9". C'est un homme qui est de grande taille. Dressed like me. Qui est vêtu comme moi. With some money. Avec de l'argent. Who loves God. Qui aime Dieu. Who speaks in tongues. Qui parle en langue. Who knows the Bible. Qui connaît la Bible. Who treats his parents right. Qui traite bien ses parents. That's a breakthrough of epic proportion. Ça, c'est une percée avec une proportion épique. I don't know who you are tonight. Je ne sais pas qui tu es ce soir. But some people have been settling for less. Mais certains ici se battent pour peu. I didn't come tonight to settle for less. Je ne suis pas venu pour me contenter de peu. I came tonight to see my God do the best. Je suis venu ce soir afin de voir mon Dieu faire le meilleur.
I'm not coming tonight for a little blessing. Je ne suis pas venu ce soir pour une petite bénédiction. I'm coming tonight to see God change something forever. Je suis venu voir Dieu changer quelque chose à jamais. You know the word epic? Tu connais l'expression épique? Say epic. Dis épique. Epic. Epic. Say it again, epic. Dis-le encore, épique. Shout it out. Crie-le. Epic. Epic. A breakthrough of epic proportions. Une percée avec une proportion épique. To give you an idea of the word epic. Pour te donner une idée de l'expression épique. There have been a few events in Ghana's history that they have called epic. Il y a eu des événements dans l'histoire du Ghana qu'on peut appeler épiques. They have been epic events. Il y a eu des événements épiques. One of the first one is the development of the Ashanti kingdom. Le premier c'est le développement du royaume Ashanti. When Osei Tutu became the first king of the Ashantis. Lorsque Osei Tutu est devenu le premier roi d'Ashanti. He became the first Ashanti Hini. Il est devenu le premier roi Ashanti. And he had a priest with him. Et il avait des prêtres avec lui. Anochi. And they began to establish and rally the tribes together. Et ils ont commencé à établir les tribus ensemble. And they set up the first Ashanti kingdom. Et ils ont établi le premier royaume d'Ashanti. The historians tell us that was epic. Les historiens nous disent que c'était épique. Why was it epic? Pourquoi c'était épique? It began to change things. Parce que ça a commencé à changer les choses. The tribes were scattered abroad. Les tribus qui étaient dispersées. Now they came together under one king. Dispersées se sont assemblées en un seul roi. They say that was epic. Ils disent que cela était épique. Then in 1948, we had the riots of Gold Coast, where those ex-servicemen began to peacefully protest about some of the colonial laws. Contre les lois coloniales. And as they were peacefully protesting, what happened? C'était they got shot. C'était des protestations pacifiques, mais ils ont été tirés dessus. And people fusillés. Began to riot. Et les gens ont commencé in 1948. En 1948. And that began to stir the tide for independence. Ça a commencé à introduire l'indépendance. Before that, Ghanaians were obedient. Avant, ces gens étaient obéissants. They were under their colonial leaders. Ils étaient sous leur maître colonial. Everything was okay. Colonial, tout était bien. Then when those men got shot, et lorsque ces hommes ont été fusillés, something began to stir inside of them. Quelque chose a commencé à se réveiller they à l'intérieur said we can no longer live that way. Ils ont dit qu'on ne peut plus continuer à vivre and continuer change ainsi. Began to happen that et, became epic. Et le changement a commencé à se produire et c'est devenu somebody épique. Somebody say epic. Que quelqu'un dise épique. Something began to stir inside of them. Quelque chose a commencé à se réveiller à l'intérieur and d'eux. Change began to happen that became epic. Et le changement a commencé à se produire et c'est devenu épique. I hope something has been stirring inside of you. Je crois que quelque chose est en train de because change is about to happen that's becoming epic. Parce que le changement est sur le point de se produire et ça devient épique. I don't know about you but I'm tired of not having enough money. Je ne sais pas te concernant mais je suis fatigué de ne pas avoir assez d'argent. I don't know about you but I'm tired of not being able to buy the car that I want to buy. Je ne sais pas te concernant mais je suis fatigué de ne pas pouvoir acheter la voiture que je veux acheter. Some of you have been believing God for a house and you've been believing and you've been saving up. But it's time for you to begin to build that house. Cash, money, everything you want in the house, in Jesus' name. Certains d'entre vous ont cru en Dieu pour pouvoir bâtir une maison. Ils se sont mis à épargner, mais il est temps pour toi d'acheter d'un coup cette maison. You say, for me, I'll just be humble. It's okay, I'll rent my flat. Tu veux dire, en ce qui me concerne, je vais être humble. C'est d'accord pour moi, je vais louer. I told you it's time for a breakthrough of epic proportions. Je t'ai dit qu'il est temps pour une percée avec une proportion épique. I don't know about you, but I came to share a burden tonight. Mais je sais pas pour toi, mais je suis venu avec un fardeau ce soir. I cannot live like everybody else. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Because I serve a God who's not like anybody else. Parce que je sers un Dieu qui n'est pas comme tout le monde. I cannot keep naming the name of Jesus with no victory in my life. Je ne peux pas continuer à prononcer le nom de Jésus sans victoire dans ma vie. If I am a child of God, then the evidence must be visible in my life. Si je suis un enfant de Dieu, alors les preuves doivent être visibles dans ma vie. If you are a child of God, the evidence must be visible in your life. Si tu es un enfant de Dieu, alors les preuves doivent être visibles dans ta vie. You want to send your children to private school. Tu veux envoyer ton enfant dans une école privée. And you say, I can't send my children to private school. Et tu dis, je ne peux envoyer mon enfant à une école privée. I don't have enough money. Je n'ai pas assez d'argent pour l'inscrire. Ah, you don't have enough money? Ah bon, tu n'as pas assez d'argent? I have a question for you. J'ai une question pour toi. Who is your father? Qui est ton père? I said, who is your father? J'ai dit, qui est ton père? I said, who is your father? J'ai dit, qui est ton père? Your father owns the cattle on a thousand hills. Ton père détient l'or et l'argent. Your father owns all the silver and all the gold. Il détient tout l'or et tout l'argent.
Your father said, if I'm hungry, I won't tell you, because everything in the world, I own it. I own the world and the fullness thereof. Ton père dit que si j'ai faim, je ne te le demanderai pas, parce que tout dans le monde m'appartient. And you say that you can't send your children to private school? Et tu dis que tu ne peux inscrire ton enfant dans une école privée? I'm telling you tonight, you'll have a breakthrough of epic proportions. Je te dis ce soir, tu as une percée avec une proportion God épique. God is going to do something tonight to change the trajectory of your life. Dieu fait quelque chose ce soir qui change la trajectoire de ta vie. I didn't come tonight to ask God for small things. Je ne suis pas venu ce soir pour demander à Dieu des petites choses. I came to ask God for big things. Je suis venu lui demander des grandes choses. I remember when God told me to buy my first airplane. Je me souviens lorsque Dieu m'a demandé d'acheter mon premier avion. My first airplane. Mon premier avion. I couldn't believe it. Je ne pouvais le croire. I wasn't even praying for an airplane. Je ne priais même pas pour un avion. I learned how to fly. J'ai appris à piloter. And then I walked into the airport one day. Et je suis allé à l'aéroport un jour. And the Lord said, "Don't fly." Et le Seigneur m'a dit, ne prends I pas thought, ce thank vol. You, Lord. J'ai dit, merci, Seigneur. Maybe something is wrong with the airplane. Peut-être quelque chose ne va pas avec l'avion. Maybe God is saving my life. Peut-être que Dieu est en train de sauver ma vie. For a year and a half, he would not let me fly. Pour un an et demi, il ne m'a pas permis de piloter un avion. I settled my heart. I said, God, I will just serve you. J'ai dit, je me suis convaincu dans mon cœur, c'est Seigneur, je veux juste te servir. One day in prayer, I was praying. Un jour, je priais. I was not praying about an airplane. Je ne priais pas pour un avion. And the Lord spoke to me and said, go and buy this kind of airplane. Et le Seigneur m'a parlé, m'a dit, va acheter ce type d'avion. J'ai dit, quoi? You want me to buy this airplane? Tu veux que j'achète cet avion? And own my own airplane? Avec tous les avions. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. I began to praise God. J'ai commencé à louer le Seigneur. And then I came to reality. Alors je suis revenu à la réalité. You know what the reality was? Vous savez quelle était la réalité? I didn't have enough money to buy the airplane. Je n'avais pas assez d'argent pour acheter l'avion. I said, God, what do I do? J'ai dit, Dieu, que ferai-je? He began to tell me what to do. Il a commencé à me dire quoi faire. I had to have about $30,000 to put down payment. Il me fallait $30,000 afin de commencer à faire le premier dépôt. I didn't have $30,000. Je n'avais pas $30,000. I said, God, what should I do? J'ai dit, Seigneur, que devrais-je faire? He said, call these five people. Il a dit, appelle ces cinq personnes. And tell them the vision about the airplane. Et dis-leur la vision concernant l'avion. So I called five people. Alors j'ai appelé cinq personnes. I said, I believe that I'm to own an airplane. J'ai dit, je crois que je vais être propriétaire d'un avion. If God will speak to you about anything, est-ce que Dieu vous a parlé de quelque chose? Obey God. S'il vous parle, obéissez-le. I walked out. Je suis sorti. They walked out. Ils sont sortis. Everybody went their own direction. Chacun est parti Nobody de sa direction. Talked to anybody. Personne ne s'est concerté. Within après. The next 1 hour, après l'heure, à l'heure qui a suivi, I got five checks placed in my hand. J'ai eu cinq chèques signés when dans mes mains. When I counted, lorsque oh, if you're going to clap, do it better than that. Si tu veux acclamer, tu peux faire mieux que cela. When I counted the money on the five checks, lorsque j'ai compté les cinq and chèques, I added up everything, et j'ai tout additionné, it was $30,000 to the very penny. C'était exactement $30,000. Not one penny more. Pas un de plus. Not one penny less. Pas un de moins. So then, alors, I bought the airplane. J'ai acheté l'avion. But I needed a parachute on the airplane to be replaced. Mais j'avais besoin que l'avion soit remplacé. And the parachute, le parachute dans l'avion soit remplacé. The parachute was $10,000. Et le parachute coûtait $10,000. $10,000. $10,000. At that time, I didn't have any money. Et à ce moment, je n'avais point d'argent. But I was beginning to catch on. Et je commençais à. And I said, God. Et j'ai dit, Dieu. How am I going to get the money to pay for this? Comment vais-je avoir l'argent pour payer? And I want you to listen to this. Et je veux que tu écoutes cela. The Lord spoke to me. Le Seigneur m'a parlé. Stern. Et commence. With a rebuke. With a rebuke. Il m'a reprimandé. He said, son. Il a dit, fils. I can pay my bills. Je ne peux payer mes factures. I can pay my bills. Je ne peux payer mes factures. I said, yes, sir. J'ai dit, d'accord, Seigneur. 2 days later. Deux jours après, a lady walked up to my wife. Une jeune dame est venue à ma femme. She didn't even know I was buying a plane. Elle ne savait même pas que je voulais acheter un avion. But the spirit of God had arrested her. Mais l'esprit de Dieu l'avait arrêtée. And she was moving in the spirit, and she was writing a check. Elle se voyait dans l'esprit écrire un chèque. She said, "The Lord said to give this to Bishop." A dit que je donne cela à l'évêque. Because he has to go buy an airplane. Parce qu'il doit aller acheter un avion. So I got $10,000. Alors j'ai reçu $10,000 that I needed for the parachute repack. Que j'avais besoin pour le parachute. Why did I get $10,000? Lorsque j'ai eu les $10,000. Because I serve a God who will give you an epic breakthrough, a breakthrough of epic proportions. Je l'ai eu parce que je sers un Dieu qui te donne une percée avec une proportion épique. So the parachute repack was due in February. Alors le parachute est venu en février. I got the money in December. Et j'ai eu l'argent en décembre. So guess what I did. Donc, souvenez-vous de ce que j'ai fait. I spent three-fourths of it before February. J'ai dépensé trois quarts de cela.
I had to learn to fly the airplane, so I spent almost all of it. J'ai dû apprendre à piloter ces avions, alors j'ai presque tout dépensé. Because I was beginning to catch on that God knows what He's doing. Parce que j'ai commencé à apprendre que Dieu savait ce qu'il faisait. So I used 3/4 of it for flight training. Alors j'ai dépensé les trois quarts de cela afin de pouvoir apprendre. And when it came time to buy the parachute, alors lorsque le temps d'acheter le parachute est arrivé, I looked in my bank. J'ai regardé dans mon compte bancaire. I had $3,000. J'avais $3,000. The parachute was $10,000. Le parachute coûtait $10,000. I looked in my bank on Monday. J'ai regardé dans mon compte le lundi. How much did I have? Combien avais-je? How much? Combien avais-je? $3,000. $3,000. How much? $3,000. How much? Combien? Hold on. I can't hear you. How much? I had $3,000. J'avais $3,000. How much did I need for the parachute? $10,000. Combien avait besoin pour le parachute? $10,000. I went back into my bank on Wednesday. Je suis retourné dans mon compte bancaire le lundi. And on Wednesday, I had $21,000 in my bank. Et quand je suis retourné, j'avais $21,000 dans mon compte bancaire. Listen to me. Écoute-moi. Somehow, d'une manière ou d'une autre, nobody knows how. Personne ne sait comment. The bankers don't know how. Le banquier ne sait comment. $18,000 miraculously appeared in my account. Il y a eu un dépôt de $18,000 dans mon compte bancaire. I went to the bank. I said, "Where did this come from?" Je suis allé à la banque. J'ai demandé d'où vient ce montant. They said, "We don't know, Mr. Searcy." Ils ont dit, Monsieur, nous ne savons. Somebody just put $18,000 in your account. Quelqu'un a juste mis $18,000 dans ton compte. I said, "Show me the deposit slip." J'ai dit, montrez-moi le. They couldn't produce a deposit slip. Ils n'ont pu me montrer les relevés du dépôt. I said, "Do you have somebody on camera?" Coming into the bank. Je dis, est-ce que vous avez quelqu'un dans les enregistrements de caméra qui est dans la banque? They couldn't produce anybody on camera. Ils n'ont pu trouver les enregistrements. The Holy Ghost got into the computer. Le Saint-Esprit est venu dans la machine. And put $18,000 into my bank. Et a mis $18,000 dans mon compte. Because God was trying to show me. Parce que Dieu essayait de me montrer. With God, all things are possible. Qu'avec Dieu, tout est possible. I want you to listen to me tonight. Je veux que tu m'écoutes ce soir. You are getting ready for a breakthrough of epic proportions. Tu t'apprêtes à recevoir une percée avec une proportion épique. You are going from glory to glory. Tu vas de gloire en gloire. Listen to me. Écoute-moi. I didn't just go from walking to driving. Je ne suis pas juste allé de la marche à la conduite. That's a good step. C'est un bon pas. I'm okay with that step. Je suis in okay fact, avec ce I'm pas. Okay with going from walking to riding a bicycle. Alors, on est venu de certains viennent de I'm la marche okay with that step. À piloter un vélo. I'm okay with going from walking to riding a motorcycle. Je suis okay avec d'aller de la marche à piloter une moto. I'm okay with that step. Je suis également okay avec ce but pas. I didn't go from walking to riding a bicycle. Mais je ne suis pas allé de la marche à pédaler. I didn't go from walking to riding a motorcycle. Je ne suis pas allé de la marche à piloter une moto. I didn't go from walking to driving a car. Je ne suis pas allé de la marche à conduire une voiture. I went from walking to flying my own airplane. Je suis allé de la marche au pilotage de mon avion. And then when Archbishop came to see me in Alabama, et lorsque l'archevêque est venu me voir à Alabama, and he had to fly back to Ghana out of Atlanta, et il devait retourner à Atlanta pour revenir au Ghana, I said, Archbishop, et j'ai dit, archevêque, we will not let you drive to Atlanta. On va pas te laisser conduire jusqu'à I Atlanta. Will fly you to Atlanta. Je vais te piloter jusqu'à Atlanta. I put Archbishop in the airplane. J'ai mis l'archevêque dans l'avion. And I flew him to the Atlanta airport. Et je l'ai piloté jusqu'à l'aéroport d'Atlanta. The Archbishop was so comfortable. Et l'archevêque était si confortable. He paid me the best compliment you could ever pay any pilot. Il m'a donné le meilleur compliment qu'on ne peut faire à aucun pilote. The best compliment you can ever pay any pilot, he gave me the compliment. Le meilleur compliment qu'on ne peut faire à un pilote. You know what it was? Savez-vous quel était ce compliment? It wasn't something he said. Ce n'était pas dans ce qu'il avait dit. You know what he did? Vous savez ce qu'il a fait? He fell asleep. Il s'est endormi. Aha. 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 Why is that a compliment? Pourquoi est-ce un compliment? Because if he was afraid, he would not have gone to sleep. Parce que s'il était apeuré, il ne devait he pas s'endormir. This man is a good pilot. Oh. Il savait que cet homme était un he bon pilote. He knows what he's doing. Oh. Il sait ce qu'il fait. So I looked at him. I said, "Go ahead, Archbishop. You sleep on. I got this." Et je l'ai regardé. J'ai dit, archevêque, continue because de dormir. Because God gave me a breakthrough of epic proportions. Je vais piloter parce que le Seigneur m'a donné une percée avec une proportion épique. I don't know who I came to Ghana for tonight. Je ne sais pas pour qui je suis venu au Ghana ce soir. But somebody is going to another level of a breakthrough of epic proportions. Mais quelqu'un va à un autre niveau d'une percée avec une proportion épique. Somebody is going from
from walking to flying in something you never thought you would ever fly in. Que quelqu'un va de la marche au pilotage d'un avion, piloter quelque chose qu'il n'a jamais piloté. Somebody is going to a place where many will know your name and many will understand that God is for you, and if God is for you, who can be against you? Quelqu'un va à un endroit où tout le monde saura que Dieu est avec toi, et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? I feel the glory of God lifting us up tonight. Ah, je vois la gloire de Dieu élever certains ce soir. Since that first airplane, I bought another airplane after that. Depuis ce premier avion, j'ai acheté un autre avion après cela. It was a better airplane than that one. C'était un meilleur avion que le premier. Then I sold it and bought another airplane. Et je l'ai vendu pour acheter un autre. It was a better airplane than that one. Et c'était encore un meilleur que le précédent. Then I sold it and bought another airplane. Et j'ai vendu encore cela pour acheter un autre. It was a better airplane than that one. Celui-là était encore meilleur and que le précédent. Now I'm believing God for the first airplane I will own that I will fly myself to Africa in my own airplane. Maintenant je crois en Dieu pour l'avion que je serai capable de venir en Afrique avec mon propre avion. Je le ferai. Because I serve a God who gives you a breakthrough of epic proportion. Parce que je sers un Dieu qui donne des percées avec des proportions épiques. I don't know who you are tonight. Je ne sais pas qui tu es ce soir. But I want you to get ready, get ready, get ready, get ready. I feel God stirring something up. Mais je veux que tu t'apprêtes parce que Dieu est en train de vivifier quelque chose ce soir. I feel God causing your faith to rise up. Dieu est en train de faire que ta foi se réveille ce soir. I feel God saying you are about to change your last name forever and ever and ever. Je vois Dieu dire que tu changes ton nom à jamais, à jamais et à jamais. For the people in your family have been known of being average, normal people, but you are about to change that forever. Si les gens de ta famille étaient des personnes moyennes, tu vas changer cela à jamais. Somebody here. You've been believing God to build a hotel, a guest house or a hotel. God said, I will grant you your desire, my daughter, in the name of Jesus. Il y a quelqu'un ici qui croit en Dieu pour bâtir un hôtel et Dieu dit que je vais te donner cela au nom de Jésus. There's somebody that's been believing God for a sewing business. You want to go into sewing business. God said, not only will I do that, I will give you multiple tailors and I will give you a business among many different states, the Lord says, in Ghana, in Nigeria, and in Togo, you will sell material because God will take you there in Jesus' name. Il y a quelqu'un qui croit en Dieu pour une affaire de couture et Dieu dit que je vais pas seulement te donner une affaire, je vais te donner des tailleurs et je vais t'amener ton affaire dans différents pays. Somebody's been believing God for a child. Quelqu'un croit en Dieu pour un enfant. I have so much faith for that. J'ai tellement de foi pour cela. I have so much faith for that. J'ai tellement de foi pour cela. I don't even stress anymore when it comes to that. Je ne m'inquiète même plus lorsqu'on advient à cette question. I remember many years ago I came here to preach. Je me souviens il y a plusieurs années je suis venu ici pour prêcher. We were in the old auditorium. On était dans l'ancien auditorium. And I preached a message on favor. J'ai prêché un message sur la faveur. Somebody say favor. Que quelqu'un dise faveur. Shout favor out to me. Crie faveur. I remember preaching a message on favor. Je me souviens avoir prêché un message sur la faveur. And in that message I got stirred in my spirit. Et dans ce message mon esprit a été réveillé. I said there's a lady here who's been trying to have a child. Je dis il y a une femme ici qui essaie d'avoir un enfant. So God is saying. Et Dieu dit. That 10 months from now, que 10 mois à partir de maintenant, you will have your first baby. Tu auras ton premier enfant. And the Lord will give it to you sure as I stand here. Et Dieu te le donnera sûrement. I forgot about it. J'ai oublié cela. I came back to Ghana. Je suis revenu au Ghana. About a year later. Un an après, à peu maybe près. A year and a few months. Peut-être un an et quelques mois. And a lady came up to me. Et la dame est venue vers and moi. And she was smiling. Et elle souriait. But her smile was different from a normal smile. Et son sourire était différent d'un sourire normal. She had a breakthrough of epic proportion smile. Parce qu'elle avait un sourire d'une her smile didn't go from here to here. It went from here to here. Son sourire n'allait pas d'ici à ici. Ça allait de là à là. That's the way your smile is about to be. C'est comme cela que ton sourire they're going to wonder what is wrong with you. Et les gens vont demander qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Because of how big your smile will be. Parce que tu auras un large sourire. And she said, "Do you remember me?" Elle a dit, "Te souviens-tu de moi?" I said, "I'm so sorry, but I don't remember you." J'ai dit, "Je suis désolé, madame, je ne me souviens pas." She said, "Well, let me help you." Elle a dit, "Permettez-moi de vous aider." She reached back to her husband. Elle est allée chercher son mari. And she grabbed a baby girl. Elle a pris un and she fille. Said, "Do you remember this baby?" Elle a dit, vous souvenez, I said, vous "No, de cet I don't remember this baby." J'ai dit, non, je ne me souviens pas de cet enfant. She said, "This baby is named Favor." Elle a dit, cet enfant s'appelle Faveur. She said, "When you came last time and you prayed, lorsque tu es venu la dernière fois et tu as prié, my womb immediately opened. Mon utérus s'est immédiatement ouvert. We had this baby 9 months later. On a eu cet enfant 9 mois après. And because of what God did, we named the baby Favor." Et à cause de ce que Dieu a fait, on a nommé cet enfant Faveur. I don't know who you are. Je ne sais pas qui tu es. But if
if you're believing God for a child, mais si tu crois en Dieu pour un enfant, get up right now and run. Lève-toi maintenant 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 I said, get up right now and run. Okay, God. Get up right now and run. J'ai dit, lève-toi et get up right now and run. J'ai dit, lève-toi et get up right now and run. J'ai dit, I didn't say walk. I said run. J'ai dit, cours. 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 Watch it. Watch it. Regardez ici. At home. Watching me at home, get up and run. Get up and run. Lève-toi et cours. Get up and run. Lève-toi et cours. Get up and run. Lève-toi et cours. Breakthrough of epic proportion. Percée avec une proportion épique. Breakthrough of epic proportion. Percée avec une proportion épique. You might want to name your baby epic. Tu vas appeler ton enfant épique. I'm telling you, the Lord is visiting you. Je te dis, Dieu te visite. I'm telling you, the power of God is coming upon you. Je te dis, la puissance de Dieu vient sur toi. And I'm telling you, you will conceive and bear a child, and you will name that child something that reminds you of a breakthrough of epic proportion. If you are in here, I want you to give the Lord a hand of praise. I see somebody riding in a brand new Mercedes Benz. Je vois quelqu'un ici conduire une nouvelle Mercedes-Benz. Not a used one, but a brand new Mercedes Benz. Je vois quelqu'un ici conduire une nouvelle Mercedes-Benz. You say, could that be me? Est-ce que tu te dis, est-ce que cela peut être moi? Yes. Oui. Because my God is a breakthrough of epic proportions. Parce que mon Dieu est un Dieu de personnes. Somebody is believing God to travel to Canada. Quelqu'un croit à Dieu afin de voyager pour le Canada. Your specific request is to Canada. Ta requête spécifique c'est le Canada. Now, when you go to Canada, you cannot forget Ghana. Alors, lorsque tu vas au Canada, tu ne peux oublier le Ghana. But the Lord is going to open the door for you to go to Canada. Mais le Seigneur va ouvrir une porte afin que tu ailles au Canada. But you cannot forget Ghana. Mais tu ne dois pas oublier le Ghana. Because He's a God of a preproshana, a breakthrough of epic proportions. Parce que c'est un Dieu de percer avec proportions épiques. The Lord is going to do it. Le Seigneur le fera. There's about 3 men in here. Il y a à peu près 3 hommes ici. 3 men in here that are having problems in your manhood. Qui ont des problèmes avec leur appareil génital. To your embarrassment, it just will not work. L'appareil génital, et c'est là, d'une manière ou d'une autre, ça ne marche pas bien. You have desire, but it will not work. Tu as des désirs, mais ça ne marche plus. I will not ask you to stand up. Je ne vais pas te demander de te lever. But I decree and declare over your life right now that will be the last time you ever have that problem in Jesus' name. Mais je décrète et je déclare que ce soir c'est la dernière fois que tu as ce I declare from today on you will be long and strong in Jesus' name. I declare it. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui tu seras fort au nom de Jésus. Je le déclare. Even right now you feel the heat of God upon your body. Même maintenant tu sens la chaleur de Dieu dans ton corps. Because He's a God who does breakthrough of epic proportions. Parce qu'il est le Dieu qui fait des percées avec des proportions épiques. He says, "I am the Lord; I change not." Il dit, je suis l'Éternel Dieu, je ne change point. My God is the same yesterday, today, and forever. Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. There's somebody here who's had a diagnosis of cancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été diagnostiqué d'un cancer? I rebuke the cancer cells in your body now in the name of Jesus. Les cellules cancéreuses maintenant. Whoever that is, stand up and put your hands on your head. Lève-toi et mets une main sur ta tête. I rebuke the cancer diagnosis in the name of Jesus. Je réprimande le diagnostic de cancer. And I decree that every cell of your body that is cancerous will dry up. Et je déclare que toutes les cellules cancéreuses dans ton corps you don't have to come to the front, but whoever you are, stand up and just put your hand on your head and pray. Tu n'as pas besoin de venir devant, peu importe où tu es. Just stand up where you are, put your hand on your head and pray. Mets une main sur ta tête et prie. Just so God knows who you are. Dieu sait qui tu es. I want to see the image of who I'm decreeing over. Je veux voir l'image de qui, sur qui je suis en train de décréter. A diagnosis of cancer. Le diagnostic de cancer. Healed by the stripes of Jesus. Guéri par les meurtrissures de Jésus. Don't be shy and don't be ashamed. N'aie pas honte, ne sois pas honteux. Just stand up where you are, put your hand on your head. Lève-toi où tu es, mets une main sur ta tête. I don't know why you are shy, for the Lord is revealing to redeem. Je ne sais pas qui tu es parce que le Seigneur révèle pour acheter. And I know you're okay. There you are. I know you are here. God bless you, ma'am. Tu es là, je sais que tu étais là, que Dieu te bénisse. Because of your obedience, cancer will never touch you or touch your family again the rest of your days. À cause de ta obéissance, le cancer ne va plus te toucher ou toucher un membre de ta famille. I declare it in the name of Jesus. Pour les jours de ta vie, somebody give Jesus a little bit of praise right now. Que quelqu'un donne au Seigneur une louange ce soir. Somebody give him a bigger praise than that. Donne au Seigneur une meilleure louange ce soir. Give him a better praise than that. Donne-lui une meilleure louange ce soir. Even a bigger praise than that. Donne-lui une meilleure louange ce soir. Somebody's going to another level in God. Quelqu'un va à un autre niveau avec Dieu. Somebody's about to increase in God. Quelqu'un est sur le point de croître en Dieu. Somebody's about to see the goodness of the Lord in the land of the living.
Quelqu'un est sur le point de voir des bontés de l'Éternel dans, dans la terre des Some vivants. Some of you are believing God for unsaved loved ones to be born again. Quelqu'un voit Dieu. We decree de Dieu that vie. God will send a supernatural experience to them. They will be born again within the next 7 days. I decree it in Jesus' name. Nous déclarons que Dieu les envoie une expérience surnaturelle dans les 7 prochains jours. Ils seront nés de nouveau. Somebody is believing God to start a school. Elementary school, primary school. You want to own your own school? Stand up where you are. Quelqu'un ici croit en Dieu pour commencer une école. That is your vision. That is your dream to own your own school. Tu veux avoir une école primaire. Where are you? Primaire. Stand up and receive it. Peu importe There's où more tu than es. One. Stand up and receive it. Tiens-toi you've, debout, been, reçois. You've been asking God for it. Tu as demandé Lift up Dieu. Your hands right now. Élève tes mains maintenant. Father, put all the keys. Put the keys in their hands. Père, mets les clés entre leurs mains. Give them all the resources that they need. Donne-leur toutes les ressources dont ils ont we besoin. Decree and declare over your life. Nous décrétons et déclarons sur leur vie. That school will come to fruition in the name of Jesus. Que ces écoles vont venir en manifestation Thus au nom de says Jésus. The Lord. Ainsi parle l'Éternel. You shall see that vision come to pass. Tu verras cette vision s'accomplir. In Jesus' name. Au nom de Jésus. There are some intercessors in this building. Il y a une intercession dans ce bâtiment. I've never had this happen to me before, but you know that you're an intercessor. Tu es un intercesseur. I want you to stand if you know that you are an intercessor. Listen to me. Everybody prays, but there's some people that are called specifically to be an intercessor. Tout le monde prie, mais il y a des gens qui sont spécifiquement appelés afin d'être Even if you're an intercessor for this ministry, Donc, même si tu es un intercesseur pour ce I just ministère, need you to stand where you are right now. Je veux juste que tu te tiens stand debout where maintenant. You are right now. Tiens-toi debout, tu stand te up. Trouves. Stand Tiens-toi up. Debout. Tiens-toi Every intercessor. Debout. Who's called to be an intercessor for this ministry? Tu es appelé pour être un intercesseur pour ce ministère. There is a special grace and anointing that's coming upon you in this season. Il y a une grâce spéciale, une onction qui vient sur ta vie maintenant ce soir. Because of the destiny of this nation. À cause de la destinée de cette nation. This upcoming election is very important. Cette élection à venir est très importante. And there's a lot of warfare around the election. Et il y a beaucoup de combats autour de cette élection. Listen, I'm not from Ghana. I don't even read the news in Ghana. I'm speaking by the Spirit of God. Voyez-vous, je ne suis pas du Ghana. Je ne regarde même pas les nouvelles du Ghana, mais je parle This election is very important. Cette élection est très importante. And God is going to put a grace upon you to begin to intercede. Et Dieu mettra une grâce sur toi pour que tu commences à intercéder. So that the will of the Lord will be done in this election for the destiny of this nation. Afin que la volonté de l'Éternel soit faite pour que sa volonté I want you to lift up your hands now. And I want you to receive this new anointing, this new mantle. Je veux que tu reçoives cette nouvelle onction. Some of you are going to feel fire come upon you. Certains d'entre vous ressentiront du feu descendre sur vous. Some of you are going to feel a new boldness rise up in you. Vous verrez un nouveau courage naître. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. Let the fiery anointing of travail. Que l'onction de feu de lutter. Come upon your people now. Vienne sur ton peuple maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Now. Maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Now. Maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Now. Maintenant, in the name of Jesus, au nom de Jésus, stir it up, that fire of anointing. Réveille cette onction de feu. Tomasha, that fire of intercession. Le feu de l'intercession. Come upon them now. Viens sur eux maintenant. May travail stir up in your spirit. And may you go to another level. Qu'ils aillent à un autre niveau. In faith. Dans la foi. And intercession. Et dans l'intercession. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Receive that mantle now. Reçois ce manteau maintenant. Receive that anointing now. Reçois cette onction maintenant. Receive that power now. Reçois cette puissance Receive maintenant. That grace now. Reçois cette In Jesus' maintenant. Name we pray. Au nom de Jésus nous In avons prié. In Jesus' name we declare. Au nom de Jésus nous déclarons. Somebody give the Lord a mighty clap offering. Que quelqu'un donne au Seigneur une puissante offrande d'acclamation. Every pastor in ministry stand up. Tout pasteur de ministère Every pastor in ministry stand up. Tout pasteur dans le ministère se lève. We decree a new stirring of the gifts of the Spirit in your life. Nous déclarons une nouvelle, a new stirring of the gifts of the Spirit in your life. Des dons de l'esprit dans votre Put vie. Your hand on your stomach or on your head. Mets une main sur ton estomac. I want you maintenant. To begin to pray right now. Je veux que tu commences à prier maintenant. He's the God of epic breakthrough. Il est le Dieu de percée épique. Remanda la brota la We decree in the name of Jesus. Nous décrétons au nom de A greater mantle of signs and wonders. Un plus grand manteau de signes et de prodiges. Beginning in your ministry from this day on. Commence dans ton ministère à partir d'aujourd'hui. May your sons and daughters be given accurate words of knowledge. Puisse tes fils et tes filles avoir une May the de power of prophecy rest upon them in a greater way. Que la parole de prophétie descende sur eux d'une grande manière. May you begin to open new doors of utterance upon them. Puisses-tu ouvrir
de nouvelles portes d'aperçu sur eux. May you refresh their spirit. Puisses-tu rafraîchir leur esprit. Refresh their spirit. Rafraîchis leur esprit. Refresh their spirit. Rafraîchis leur esprit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Refresh their spirit. Rafraîchis leur esprit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. God, I pray. Dieu, je prie. For weariness. Pour l'esprit to break off of them. Afin de prier pour eux. I pray for the joy of the Lord. Je prie pour la joie de l'Éternel. To be their portion. Qu'elle soit leur portion. I pray you give them a new dimension. Je prie que tu donnes une nouvelle dimension. A fervor. A fervor. A new dimension of fervor. Une nouvelle dimension de faveur. In the ministry in the name of Jesus. Dans le ministère au nom de Jésus. God, give them a breakthrough of epic proportions. Dieu, donne-leur une percée avec une proportion épique. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, release your sound upon them. Père, lâche ton son sur eux. Release the wind of the Lord upon them. Relâche le vent de l'Éternel sur eux. Let them never be the same again. Qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Receive that from the hand of the Lord. Reçois cela des mains de l'Éternel. Everybody, give Jesus another hand of praise. Que quelqu'un donne à Jésus une autre offrande d'acclamation. For a breakthrough of epic proportions. Une percée avec une proportion épique. In the pastors and the leaders. Pour les pasteurs et les leaders. An epic, a breakthrough of epic proportions. Une percée avec une proportion épique. Some of you are going to be like Sarah. Certains d'entre vous seront comme Sarah. Who begin to have a miracle in her life that was impossible. Ils vont avoir des miracles dans leur vie qui étaient impossibles. For the Bible said she was dead. Car la Bible déclare qu'elle était stérile. Her womb was dead. Son utérus était mort. That which was dead, God quickened and made alive again. Ce qui était mort, Dieu a vivifié cela et l'a amené à la vie. I command every dead thing in your life to come alive in Jesus' name. Je déclare que toute chose morte dans ta vie revienne à la vie au nom de Jésus. I command every dead vision to come back to life in Jesus' name. Je déclare que toute chose morte revienne à la vie au nom de Jésus. I command doors that were closed to begin to open in Jesus' name. Je déclare que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. I call for vision and dreams you had as a child that you have abandoned because life has been so hard. I decree those visions and dreams will come to pass in Jesus' name. Je prie pour les visions et les rêves que tu avais en tant qu'enfant parce que la vie est devenue trop dure, tu as abandonné, que ces visions et ces rêves se manifestent au nom de Jésus. There's some of you who are desiring to be your first author of a book. Il y a quelqu'un ici qui souhaite devenir un premier auteur de livre. I hear that from the Lord. You want to be an author of a book. Je viens d'écouter cela du Seigneur. Tu veux devenir un auteur. God said that dream shall come to pass. Dieu dit que ce rêve va s'accomplir. There is somebody here that has a desire to own a radio station. Il y a quelqu'un ici qui a le désir d'avoir une station radio. Stand up and receive that in Jesus' name. Lève-toi et reçois cela au nom de Jésus. You have been praying and asking God. God, I want to own a radio station. Tu as prié. There you are. Tu as prié demandé à Dieu Seigneur. Not just be on the radio. I want to own a radio station. Je veux avoir une station radio. Lift your hands and receive a breakthrough of epic proportions. Élève tes mains, reçois une percée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. All the young sisters who are believing God for husbands, believing God to get married, just lift your right hand and wave it at me. Toutes les sœurs qui s'attendent à Dieu pour avoir un mari. I call forth the right spinster in your life. J'appelle la bonne personne dans vos vies. I call forth the right lady in your life. J'appelle la bonne femme dans vos vies. I decree and declare God will not disappoint you. Je décrète et je déclare que Dieu ne va pas te décevoir. And I say in Perez Chapel. Et je déclare qu'à Perez Chapel. We will have a record number of weddings in the next 1 to 2 years. Qu'on aura un record majeur de mariages dans les prochaines années. Wedding after wedding, années, wedding after wedding after wedding. Mariage après mariage. Baby mariage dedication after baby dedication after baby dedication. Dévouement d'enfants après dévouement d'enfants. Because he is a God who gives you epic breakthrough. Parce qu'il est le Dieu qui te donne des percées épiques. A breakthrough of epic proportions. Et des percées avec des proportions épiques. The Bible from beginning to end is about God showing himself strong. La Bible du commencement à la fin c'est une question de Dieu qui se montre fort. And here's what the Bible says. Et regarde ce que la Bible dit. The eyes of the Lord run to and fro. Les yeux de l'Éternel vont ici et là. Across the whole earth. Partout sur le monde. Looking for somebody he can show himself strong in behalf of. Partout dans la terre afin de chercher quelqu'un à qui il peut se montrer fort. I want you to write today's date down in your Bible. Je veux que tu écris cela dans ta Bible. Find the time today, tonight, before you leave to write today's date down in your Bible. Écris le temps de maintenant, la date d'aujourd'hui dans ta Bible. You can even write this entire week in your Bible and circle it. Tu peux même prendre toute cette semaine et encercler cela. Because it's the week where everything will change in your life. Parce que c'est la semaine où tout va changer dans ta vie. It is a week where something epic happens.
is happening for you in the name of Jesus. C'est la semaine où quelque chose d'épique va se passer dans ta vie au nom de Jésus. You are going to be like Mary. Tu seras comme Marie. Who was minding her business. Qui était en train de s'occuper de ses affaires. And the angel appeared to her. Et l'ange lui est apparu. And said, "Hail, woman, thou art highly favored." Il a dit que tu es favorisant toutes les femmes. For that holy thing that will be born of you is the Son of God. Car cet enfant qui naîtra de toi est l'enfant de Dieu. For God will give you a son. Car Dieu te donnera un fils. She said, "How shall this be? I know not a man." Elle a dit comment cela pourrait être? Je ne connais aucun homme. He said, "The Holy Ghost will come upon you." Elle a dit le Saint-Esprit viendra sur toi. That's what I came all the way from Alabama to tell you. C'est la raison pour laquelle je suis venu d'Alabama pour te dire. That is my one message tonight for you. C'est mon message ce soir pour toi. The Holy Ghost is coming upon you. Le Saint-Esprit vient sur toi. Something is about to be birthed in you. Quelque chose est sur le point de naître en toi. It is going to be a breakthrough of epic proportions. Ce sera une percée avec une proportion épique. And from this night and this week, you will not be the same again. Et à partir de ce soir, de cette semaine, tu ne seras plus jamais la même personne. Rise up on your feet right now in the presence of the Lord. Lève-toi, tiens-toi debout maintenant et. Rise up on your feet in the presence of the Lord. Lève-toi maintenant dans la présence de Dieu. Rise up on your feet in the presence of the Lord. Lève-toi dans la présence de Dieu. First thing I want you to do is just thank God for an epic breakthrough, a breakthrough of epic proportions. Begin to thank Him. La première chose à faire, je veux que tu remercies le Seigneur pour une percée avec une proportion épique. Thank God for a breakthrough of epic proportions. Remercie Dieu pour une percée avec une proportion épique. Just say thank you, Lord. Dis juste merci, Seigneur. Just say thank you, Lord. Dis juste merci, Seigneur. Ah, just say thank you, Lord. Dis juste merci, Seigneur. Say thank you, Lord. Dis merci, Seigneur. For this is my night. Car cette soirée est ma soirée. This is my night. Elle est ma soirée. For the things that have been written in the book about me, they shall be released. Car pour les choses qui ont été écrites me concernant seront relâchées. No devil and no demon will stop my breakthrough this night. Aucun démon ou diable ne va s'élever contre moi ce soir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Somebody wants a dance studio? Quelqu'un veut? You've been believing God to teach the younger generation to dance. God said, "You can have that." Tu crois en Dieu pour pouvoir enseigner des gens de jeune génération à danser. I see so many things being passed out and handed out tonight. J'ai vu beaucoup de choses être déposées dans la vie des gens ici ce soir. Receive your breakthrough of epic proportions. Reçois ta percée d'une proportion épique. Receive a miracle that says, "Now unto him who is able to do exceeding abundantly above all we can ask or think." Reçois la percée qui dit maintenant à celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser, espérer ou imaginer. Receive a dimension of God whereby you will never be the same again. Reçois une dimension de Dieu qui fera que tu ne sois plus jamais la même personne. Receive the miracle of the Lord. Reçois le miracle du Seigneur. Now I want to ask you to join hands with your neighbor next to you on the left and on the right. Maintenant, je veux que tu tiens les mains avec tes voisins de gauche et de droite. And I want you to pray one for another. Et je veux que vous priez les uns pour les autres. Don't pray for yourself now. Ne prie pas pour toi-même maintenant. I want you to pray one for another. Je veux que vous priez les uns pour les autres. I want you to decree. Je veux que tu décrètes. That the very thing they've been believing God for. Que les choses pour lesquelles ils ont cru en Dieu. They will see it and more in Jesus' name. Ils verront cela et encore plus même au nom de Jésus. Lift your voice and pray for your neighbor to your right and to your left. Pour ton voisin. Lift your voice and pray for your neighbor to your right and to your left. Ton voisin. Ratos Catelea Panda Ratelea Panda Parekatelevin Koreas Catelea Panda Paswata Ratos Catelea Panda Paswata Ratos Catelea Panda Parekatelevin Koreas Catelea Panda Paswata Ratos Catelea Panda Parekatelevin Shakelebe Ratos Atas Catelea Panda Paswata Ratos Atelea Panda Parekatelevin Koreas Catelea Panda Paswata Ratos Atelea Panda Parekatelevin Koreas Catelea Panda Parekatelevin Shakelebe Ratos Atas Catelea Panda Paswata Ratos Catelea Panda Parekatelevin Koreas Catelea Panda Parekatelevin Koreas Catelea Panda Paswata
Ratos ata, ratele ya panda paswata, ratos katele ya panda pare ketele ben koria si ketele ya panda pa, ratos atele ya panda pa, reketele ben koria si ketele ya panda paswata, ratos katele ya panda paswata, ratos katele ya panda pare ketele ben koria si ketele ya panda paswata, ratos atas katele ya panda pa, reketele ben koria si ketele ya panda paswata, ratos katele ya panda pasiata. Reketele ben shekere pe, ratos katele ya panda pare ketele ben koria si ketele ya panda basiata, ratas atas katele ya panda paswata, reketele ben koria si ketele ya panda paswata, ratos ata rates katele ya panda pare ketele ben koria si ketele ya panda paswata, ratos atele ya panda paswata, ratas katele ya panda basiata, reketele ben koria si ketele ya panda paswata, ratos atele ya l'atmosphère change. Je sens que l'atmosphère change. Ratos atas katele ya panda pa. Reketele ben koria si ketele ya panda pa swata. Ratos atas katele ya panda pa swata. Ratas katele ya panda pa swata. Reketele ben koria si ketele ya panda pa. Reketele ben koria si ketele ya panda pa swata. Ratos atas katele. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Let your hands go. Hold them out like this. Tenez vos mains ici. Just prepare your heart to receive as I pray a final prayer. Apprête juste ton cœur à recevoir la prière finale. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. We thank you for all that you poured out tonight. Nous te remercions pour tout ce que tu as déversé ce soir. Even on this first night. Même en cette première soirée. We thank you for shifting and adjusting and changing. Nous te remercions pour les changements et les ajustements et les. As your people have their hands out before you, alors que ton peuple a leurs mains devant toi, I ask you to fill their hands with good things. Je demande que tu remplisses leurs mains de bonnes choses. I ask you. Je te demande. I decree. Je décrète. That you take them to another dimension. Que tu les amènes à une autre dimension. Father, we're not believing for small breakthroughs. Père, nous ne croyons pas en des petites. But tonight is a night of big breakthroughs. Mais cette soirée est une soirée de grandes percées. Because you are a big God. Parce que tu es un grand Dieu. So Father, let the testimonies begin to pour in. Alors Père, que les témoignages commencent à couler. Let the glory be given unto your name. Que la gloire soit rendue à ton nom. Let the notable things that you're doing be told so others can be encouraged. Que les choses notables que tu fais puissent être vues afin que d'autres soient encouragés. We thank you for what you are doing. Nous te remercions pour ce que tu fais. We thank you for what you are handing out. Nous te remercions pour ce que tu as fait. And we thank you for breakthrough of epic proportions. Et nous te remercions pour des percées avec des proportions épiques. In Jesus' name we declare. Au nom de Jésus, nous avons déclaré. And the church said amen. Et l'église dit amen. 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 I need you, if you're going to clap, do it well. Si tu vas acclamer, fais mieux que cela. I think I told you this before, but I need you to do it again. Je crois que je vous l'ai dit auparavant, mais je veux que vous le fassiez encore. I need everybody to go and buy sunglasses. Je veux que tout le monde aille acheter des lunettes. You know sunglasses? Des lunettes de soleil. We call it shades in the U.S. You put it on and you wear it outside when the sun is out. Vous voyez, aux États-Unis, on les porte lorsque le soleil est présent. I need everybody to go and get sunglasses. Je veux que tout le monde achète des lunettes de soleil. And you keep it on the side by your bed when you go to sleep. Et gardez cela à votre chevet lorsque vous allez vous coucher. And as soon as you wake up in the morning, you put those glasses on. Et dès lors que vous vous levez le matin, portez ces lunettes de soleil. And somebody will say, why are you putting on sunglasses inside? Les gens vous demanderont, pourquoi portez-vous des lunettes de soleil dans la maison? You say, because my future is so bright, I can't stand to look at it because of epic breakthrough in Jesus' name. Parce que vous répondrez, comment that's your future. Et si radieux que je ne peux le voir parce que c'est une percée avec une proportion épique. Au nom de Jésus. Let's keep clapping. Continuez d'acclamer. Let's keep clapping. Continuez d'acclamer. Let's keep clapping our hands. Continuons d'acclamer. Church, we can do better than that. Église, nous pouvons faire mieux que cela.
We are walking in breakthrough of epic proportions. Nous marchons dans des percées avec des proportions Church, épiques. Your clapping can be better than this. Église, tes acclamations peuvent être meilleures que cela. Somebody just received a breakthrough tonight. Quelqu'un a reçu sa I said somebody just received a breakthrough tonight. J'ai dit, quelqu'un a reçu une if you are the one, clap your hands and shout, I am the one. Si tu es la personne, acclame et dis, je suis la personne. Let's celebrate God's servant, Bishop Carl. Please put your hands together. Célébrons le serviteur de Dieu. Let's celebrate God's servant. Célébrons le serviteur de Dieu. Let's celebrate God's servant. Célébrons le serviteur de Dieu. Tonight has been a prophetic night. Cette soirée a été une soirée prophétique. Oh, I said tonight has been a prophetic night. J'ai dit cette soirée a été une soirée prophétique. There are breakthroughs of epic proportions on every side. Il y a des percées avec des proportions If you just receive your portion, clap your hands and shout, I receive my portion. Si vous avez reçu votre portion, acclamez et dites, j'ai reçu ma percée, ma proportion. Before we do sin, please lift your hands. Please lift up your hands. S'il vous plaît, avant de continuer, élevez vos mains. And shout with me, say, Father. Et crie avec mon père. I declare. Je déclare. By the end of this week, que d'ici la fin de cette semaine, in the name of Jesus, au nom de Jésus, I walk in breakthroughs, je marche dans la percée, of epic proportions, avec une proportion épique. Say in the name of Jesus, dis au nom de Jésus, I declare, je déclare, any prophecy, toute prophétie, from this altar, de cet autel, I grab it now, je reçois cela maintenant, I grab it now, je reçois cela maintenant, I grab it now, je reçois cela maintenant. Lift up your voice for 1 minute and pray that prayer. Lift up your voice for 1 minute. Pray that prayer. Lift up your voice for 1 minute. Lift up your voice for 1 minute. Lift up your voice for 1 minute. Pray that prayer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I grab it now. J'appelle cela maintenant. I grab it now. J'appelle cela maintenant. I grab it now. J'appelle cela maintenant. Every prophecy. Toute prophétie. From this altar. De cet hôtel. This week, cette semaine, I grab my portion. Je prends ma portion. I take my portion. Je prends ma portion. I receive my portion. Je reçois ma portion. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I receive my portion. Je reçois ma portion. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. My breakthrough has come. Ma percée est venue. My breakthrough is coming. Ma percée est venue. My breakthrough is coming. Ma percée arrive. 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 Before Papa comes, avant que Papa ne vienne, I want us to raise an altar. Je veux qu'on élève un autel for the week, pour la semaine. There is a release of a prophetic unction in this house. Il y a un relâchement pour une onction prophétique dans cette maison. Tonight, people have moved from zero into millions. Ce soir, les gens sont allés de zéro à des millions. Tonight, people have suddenly become owners of schools, radio stations. Oh, ce soir, les gens your portion is released tonight. Ce soir, les gens sont soudainement devenus propriétaires d'écoles et de stations de radio. And this is just the beginning. Et c'est juste le commencement. Mighty things are going to be done from this altar this week. Des choses puissantes seront faites de cet hôtel cette semaine. You are going to covenant with the God of this altar. Tu vas aller dans une alliance avec le Dieu de cet hôtel. That this week, que cette semaine, no prophetic utterance from this altar. Qu'aucune prophétie de cet hôtel coming to me venant à moi shall fall to the ground. Ne tombera à terre. Lift up your hand and shout a big amen. Et lève ta main et pousse, donne-moi un amen. Come on, shout another amen. Donne-moi un autre amen. Can I please get some envelopes? Est-ce que je peux avoir des enveloppes? Please stand with me for 2 minutes. S'il vous plaît, tenez-vous debout avec moi pour deux stand minutes. Stand with me for 2 minutes. Tenez-vous debout avec moi pour 2 minutes. Apostle, help me. Listen. Écoute. You are raising an altar, not just for tonight. Tu élèves un hôtel, pas seulement pour ce but soir. But for the rest of the week. Mais pour le reste de la semaine. That I covenant with this altar. Que je fais une alliance avec cet hôtel. That by the end of this week. Que d'ici la fin de cette semaine.
I will enter into some levels of breakthrough. Je vais rentrer dans un autre, une autre by the de end of this year 2024, d'ici la fin de cette année 2024, my breakthrough shall manifest. Ma percée se manifeste. You want to release a sacrificial seed of 1,000 Ghana, 2,000 Ghana, and above. Tu veux donner quickly, une offrande sacrificielle de 1,000 Ghana, 2,000 Ghana. Quickly, run and come and take the envelope right now. Viens prendre une enveloppe quickly, maintenant. Run and come and take the envelope viens right envelope now. Maintenant. Quickly, run rapidement. And come and take the envelope right viens now. Prendre une enveloppe maintenant. 1,000 CDs, 1,000 Ghana CDs, 2,000 CDs, 2,000 Ghana CDs, 3,000 CDs, 3,000 Ghana CDs, 5,000 CDs, 5,000 Ghana CDs. Run and take the envelope right now. Viens prendre une enveloppe maintenant. This week, cette semaine, like Bishop Carl have started. Comme l'évêque Carl l'a dit. Reverend Eastwood is going to come. Le Reverend Eastwood arrive. Our Father is going to stand on this altar. Notre Père va se tenir sur cet autel. All the mantles that will stand on this altar. Tous les manteaux qui vont se tenir à cet autel. It will speak for us. Vont parler pour nous. My God. Mon Dieu. Some of us, our cases were mentioned. Certains d'entre nous, nos cas ont été mentionnés. That babies are released. Que les enfants sont relâchés. You want to covenant with this altar. Tu veux te mettre en alliance avec cet autel. You want to do 500 cities. Run. Tu veux faire 5,000 Ghana cities. Run quickly. Come and take Cours. The envelope. Rapidement, viens prendre. Release your faith tonight. Relâche ta foi ce soir. That this week, et cette semaine, everybody in this house, tout le monde dans cette release maison, your faith tonight. Relâche ta foi ce soir. Release your faith tonight. Relâche ta foi ce soir. Release your faith tonight. Relâche ta foi ce soir. Yes, if you have it as I'm speaking, please come and drop it right si now. Si tu as ça là présentement, viens déposer. If you're watching us, you can send yours now. Si tu nous suis, tu peux envoyer but cela release maintenant. Release your faith tonight. Mais maintenant, relâche ta foi ce release soir. Release your faith tonight. Relâche ta foi ce soir. That by the end of this week. Que d'ici la fin de cette semaine. By the end of the month. D'ici la fin de ce mois. By the end of the year. D'ici la fin de cette année. My breakthrough is released. Ma percée est relâchée. It's released. Elle est relâchée. You can do 300 Ghana. Tu peux faire 3,000 Ghana. 200 Ghana. 2,000 Ghana, 400 Ghana, 4,000 Ghana, 200 Ghana, 300 Ghana. Please run and come, quick, quick. Si tu peux donner des centaines de Ghana CDs, do it with some 500, 400, 305. Do it with some urgency. Fais-le rapidement. Some of you sow the seed for your children. Certains d'entre vous semez des semences pour vos enfants. Sow it for your wife. Semez-le pour vos femmes. Sow it for your husband. Semez-le pour vos femmes et vos that maris. This week, que cette semaine. This week, cette semaine, every mantle that stands on this altar, tout manteau qui se tient sur cet autel, I covenant, je me mets en alliance, to receive my portion, afin de recevoir ma part. I covenant to receive my portion, je me mets en alliance afin de recevoir ma part. Please run, s'il te plaît cours. Come, 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 come quickly. Viens, viens rapidement. Do this quickly. Fais-le rapidement. Do this quickly. Fais-le rapidement. Tonight is the first night. Ce soir c'est la première soirée. Tonight is our first night. Ce soir c'est la première soirée. If you have yours, bring it right now. Si tu l'as ici, apporte-la maintenant. Run quickly. Cours rapidement. You can do 100 Ghana. Also run and come. Tu peux donner 100 Ghana également. Everybody, viens. Everybody here tonight. Tout le monde ici ce soir. At least. Au moins. Make a contact with the altar tonight. Établis un contact avec l'hôtel ce soir. Let's do this quickly. Faisons-le rapidement. Quick. Rapidement. Quick. Rapidement. Let's do this quickly. Faisons-le rapidement. Quickly. Rapidement. Quickly. Rapidement. Yes. Oui. Release your faith. Relâche ta foi. My God. Mon Dieu. That this week. Que cette semaine. Something must happen. Quelque chose va se passer. We will end the year with breakthroughs on every side. Nous allons terminer l'année avec des percées de tout part. By the time we are ending the week. D'ici le moment où nous allons terminer cette semaine. By the time we are ending the year. Au moment où nous allons clôturer l'année. Oh, breakthroughs of epic proportions. Oh, les percées avec des proportions épiques. If yours is ready, release it right now. Si ton offrande est prête, relâche-la maintenant. You can do 50 Ghana cedis. Tu peux même donner 50 Ghana cedis. Also, rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Quick. Rapidement. Rise up and come. Lève-toi et viens. Yours is 50 Ghana. Toi, ce que tu peux donner, c'est 50 rise Ghana. Up and come. Lève-toi et viens. Yours is 50 Ghana. Tu peux donner 50 Ghana. Rise up and come. Lève-toi et viens. 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 Yours is 50 Ghana. Toi, ce que tu peux donner, c'est 50 Ghana. Any amount we have not mentioned. Peu importe le montant everybody, qu'on n'a pas mentionné. Tout le monde. Please, tonight is the first night. S'il vous plaît, cette soirée est la première soirée. God is interested in the beginnings. Dieu est intéressé au commencement. Connect your faith. Connect your faith. Connecte ta foi. That the first day. Que le premier jour. I connect. Je me suis connecté to this grace. À cette grâce. I raise an altar. J'ai élevé un hôtel. For the week. Pour la semaine. I raise an altar. J'ai élevé un hôtel. For the month. Pour le mois. Yes. Oui. Yes. Oui.
those of us watching us online, pour ceux d'entre nous qui nous suivent en ligne, the information is on the screen. Les informations sont sur l'écran. The information is on the screen. Les informations sont sur l'écran. You can send your seed. Tu peux envoyer ta semence. Through all the means, all the platforms you see on the screen. Au travers de toutes les plateformes que vous voyez sur l'écran. Yours is ready. Please run and bring it right now. Si ton offrande est prête, apporte-la maintenant. Yours is ready. Ton offrande est prête. Bring it right now. Apporte-la maintenant. Bring it right now. Apporte-la maintenant. Bring it right now. Apporte-la maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. If yours is not ready, si ton offrande n'est pas apprêtée, tomorrow evening, demain soir, Papa will receive it. Papa va la recevoir. Yes. Oui. Quickly. Rapidement. Quickly. Rapidement. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Yes. Oui. Quickly. Rapidement. Quickly. Rapidement. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Now the final thing we'll do. Everybody take out your offering. Maintenant la dernière chose à faire, que tout le monde prenne son offrande. Everybody take out your offering. Que tout le monde prenne son offrande. Take out your offering. Prends ton offrande. Take out your offering. Prends ton offrande. Take out your offering. Prends ton offrande. From the rising. Shall we rise to our feet with our offering? Pouvons-nous nous tenir debout avec nos offrandes? If you are joining us online, si vous nous regardez en ligne, all the giving platforms are on the screen. Toutes les plateformes où vous pouvez donner sont sur l'écran. You can send through any of them. Vous pouvez envoyer au travers de l'une d'entre elles. Star 800, star 1000 hash. Étoile 800, étoile 1000 dièse. That one has no transactional fees. Il n'y a point de frais de transaction attachés à cela. And it's on all platforms. Et c'est sur toutes les plateformes. If you are doing a direct Momo si vous faites transaction, une transaction mobile money, you can send it to 0243. Vous pouvez le faire au travers de 02043. 500. 600 624. If you are doing it on Telecash, si vous le faites au travers de Telecel, Telecash, is 020. C'est 020. 316 2084. 2084. If you are outside of the country, si vous êtes en dehors du pays, you can use SendWave, World Remit or Tap Tap Send. Vous pouvez utiliser SendWave, World Remit ou Tap Tap Send. And the numbers are +233. Et les numéros sont +233. 243 243. 500 624. 624. Or +233. Ou +233. 203 203 162 162 084 084. You can also do it by PayPal. Vous pouvez également le faire par PayPal. The username, le nom d'utilisateur, is at Perez Dome. C'est @PerezDome. And you use an email address. Et vous pouvez utiliser l'adresse mail. Perez Dome. Perez Dome. At perezchapel.org. @perezchapel.org. Please lift up your offerings. S'il vous plaît, élevez vos offrandes. Lift up your offerings. Élevez vos offrandes. Father, in Jesus' name. Père, au nom de Jésus. We thank you. Nous te remercions. Tonight, ce soir, being the first night, étant la première soirée of our breakthrough conference, de notre conférence de percée, we receive, nous recevons, breakthroughs, la percée of epic proportions, d'une proportion épique. Let it happen in our lives. Laisse que cela se produise dans nos vies. Before the end of this week. Avant la fin de cette semaine. Before the end of the year. Avant la fin de l'année. We receive it in Jesus' name. Nous la recevons au nom de Jésus. And let the church shout a big amen. Et que l'église donne un puissant amen. You can bring it to the altar, please. Vous pouvez yes. apporter cela à l'autel, s'il vous plaît. God bless you. Que Dieu te bénisse. Adonai.
Adonai. Sing Adonai. Thank you. Heavenly Father, Père Céleste, multiply the seed sown by your people. Que toutes les semences semées par ton peuple. In Jesus' name. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen.